idée alors. Ok. Cette intégrale Couperin, dont paraît ici le premier volume, est ordonnée autour de plusieurs thèmes qui avaient l'air de le toucher et d'être importante pour lui. J'ai commencé avec le théâtre, et on voit vraiment dans ce premier volume que c'était vraiment quelque chose qui l'avait beaucoup imprégné et qui était aussi très important dans la France de cette époque-là. Le théâtre de la Foire, le théâtre de Saint-Laurent, il y a beaucoup de petites scènes comme ça qui sont ou tendres ou rigolotes. Ouais, bien sûr, ouais, je vais prendre comme tu m'as dit. Voilà, on va dérouler ça sur plusieurs années, avec du clavecin solo, toute son œuvre de clavecin, vraiment l'intégrale de son œuvre de clavecin solo, et des motets, les pièces d'orgue, la musique de chambre, la musique vocale profane, voilà, beaucoup d'autres choses. Couperin l'alchimiste, j'ai décidé d'appeler l'intégrale comme ça parce que c'est une métaphore, c'est une sorte d'image de la recherche intérieure. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans faire une intégrale de Couperin, c'est que quand on a entendu toute son œuvre, quand on peut tout écouter et tout aborder, on a vraiment une image de lui profonde et intérieure qui se dessine. Le travail est très finement ciselé, c'est vraiment un travail d'orfèvre de la musique. Et c'est vraiment caractéristique de lui, son art du clavecin est parfait, c'est vraiment parfait. On ne peut pas changer une note, c'est comme chez Bach, quoi. On ne peut pas changer une chose. Il y a vraiment une quête de la perfection, et c'est aussi pour ça qu'il a voulu éditer avec autant de soin son œuvre pour la laisser à la postérité.